E senza mai que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Présentement, on est dimanche et là, il est 9h42. Will vient de partir, il est parti s'entraîner dans le fond à 10h. Normalement, dimanche, je fais comme ses long runs le matin tôt, mais là, aujourd'hui, il avait envie de passer la matinée avec nous, puis il a décidé qu'il allait aller s'entraîner. Hier, on était samedi, on a fait une belle sortie en famille, là, moi, Will avec Clara et puis ma maman. On avait reçu une invitation du Centre des sciences de Montréal pour aller participer à une exposition pour les enfants de 0 à 7 ans qui s'appelle Mini Mondo. Donc, si jamais vous cherchez une activité en famille à faire, là, je sais que des fois, c'est pas évident, on sait pas trop quoi faire de nos journées, surtout avec des enfants. C'est vraiment, vraiment une belle activité. Il y a également d'autres expositions là, pour toute la famille et pour les adultes ou les enfants plus grands. Je vous laisserai le lien de l'exposition Mini Mondo là, dans la description si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, ils offraient aux familles qui venaient participer à l'exposition, là, ça l'a brisé, là, mais une petite boîte comme ça, je vais vous montrer le contenu. Je sais pas s'ils offraient ça seulement pour l'ouverture, mais sinon je vais vous montrer quand même le contenu. Par simple curiosité. Donc, comme c'était en collaboration avec Énergir, ils nous ont donné un sac comme ça ici là pour les fruits et légumes. Ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais moi, c'est sûr que j'utilise ce genre de sac-là pour les fruits et légumes à l'épicerie quand on va faire l'épicerie. Il y avait un petit sac comme ça qui avait des bonbons squish, mais je les ai mangés déjà. Ça, c'est sûr. Puis, il y a également ça, c'est vraiment cute, là, je vais le faire justement, c'est pour cultiver nos propres herbes. Là, ils nous ont donné du basilic génois, donc basilic, je préférerais que tant que ça a de l'eau, c'est l'affaire la plus facile à faire tenir en vie, tant qu'à moi, là. Et ils ont donné de quoi faire une genre d'expérience, là. C'est pas une grosse expérience, ça, c'est des bulles. Mais c'est ça, dans le fond, que tu mélanges le savon à vaisselle avec la glycérine, avec de l'eau. Puis tu fais tes propres bâtons, là, avec les formes que tu veux. Puis, I guess, tu souffles dedans, puis ça va faire les bulles selon la forme que tu as décidé de faire avec les petits bâtons. Alors, c'est ça, je trouvais ça vraiment cute. Je trouve que ça fit vraiment avec le Centre des sciences, là, question d'expérimenter pour les enfants. Ça fait des petites activités à faire à la maison. Pendant que j'y suis, je vais également vous montrer le outfit que je porte aujourd'hui de VT Apparel. Dans le fond, ils m'ont envoyé deux outfits à porter pendant la grossesse, mais aussi pour après. Vraiment confortable, je vous dirais que je porte vraiment beaucoup de linge de sport dans mon quotidien. Je trouve que c'est ce qui est le plus confortable, surtout quand t'es à la maison, maman à la maison, travail à la maison, ménage, lavage, etc. Ou vraiment aussi pour s'entraîner. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Alors, je vais vous montrer mon premier outfit que j'ai ici. C'est de la couleur lilas. Donc, c'est sûr que là, j'ai vraiment le bump qui sort. J'ai pris la brassière en taille médium. Puis, les pantalons, là, c'est en taille X-small, small. Je dirais que pour l'instant, ça fait parfaitement. Est-ce que ça va faire tout au long de ma grossesse? En toute honnêteté, je crois pas. Juste parce que même si ça va être stretch, il monte quand même haut. Fait que, à suivre, on verra combien de temps ça va durer tout ça. Mais je suis vraiment contente, là, du fit et surtout du confort. C'est un peu comme un confort seamless. La couleur est super belle. Ils m'ont également envoyé dans la couleur beige,
qui est également vraiment dans ma palette de couleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs et avec lesquelles j'ai pris une belle photo pour mettre sur mon Instagram pour le partager avec vous aussi sur mes réseaux. Parce qu'ils m'ont également envoyé un code rabais pour partager avec vous pour bénéficier d'un 15% sur votre commande sur les articles à prix régulier que je vais vous laisser dans la description si jamais vous avez envie vous aussi d'aller choisir un beau petit outfit pour vous. Donc pour le reste de la journée, là, je vais faire quelques petites affaires, terminer du montage d'un vlog précédent. Puis Will, pendant ce temps-là, risque de revenir. On va dîner en famille, puis on devrait faire un peu de contenu cet après-midi parce qu'il fait très beau. Puis ce soir, on a un souper en famille avec ma belle-famille. Donc ça fait longtemps là, qu'on s'est vu comme tout le monde en même temps. Donc on s'en va chez mes beaux-parents qui est près d'ici. Pour un petit souper en famille, puis ça risque d'être une soirée après ça, occupation double, quand la petite va être couchée. Présentement, là, il est 11h45. Will, ça fait pas longtemps qu'il est revenu de s'entraîner. Il dit même qu'il a encore chaud. Il dit j'ai pas eu le temps de cool down, on est déjà parti. Alors, c'est ça, malheureusement, il vient de briser son téléphone. Il l'a échappé par terre, Colin the bin. Alors, ça, c'est les poches, là. Ah, ben bref, faut rien faire, hein. Alors, c'est ça. Donc, on s'en va filmer. Ben, pas filmer, mais créer du contenu. On s'en va faire quelques petites photos, là, automnales, mais aussi pour les outfits que je vous ai montrés ce matin. Là, c'est dans la couleur beige. Alors, vous allez probablement déjà avoir vu la photo en plus quand je vous ai parlé tantôt. Mais bref, c'est là que ça se crée. Puis, on va aller dîner ensuite, là, au Louisa, qui est juste à côté. Ça va être une petite journée bien tranquille. C'est quand même frais aujourd'hui, contrairement à hier, là, qui faisait super chaud. Donc, on est bien. C'est l'automne qui arrive, puis moi, ben, ça me rend heureuse. C'est le cocooning season, hein? Ouais. Update de la journée, on a mangé au Louisa, comme vous avez pu constater, puis on est arrêté pour Will qui voulait, tu veux te montrer? Ouais. Se faire une casquette pour le 6e club. C'est pas de la merch, rien, c'est vraiment juste personnel à lui. Par contre, si jamais ça va intéresser des gens, je pense que c'est plus pour faire parler un peu, que le monde se questionne c'est quoi. Je suis jalouse, puis... je l'aime full. Fait que je vais pas l'essayer là. Ça va apporter plus que moi. Bon, ben non. Alors, c'est ce qu'il y en est. Là, il est 2h à peu près. On retourne à la maison. On va faire dormir Clara. Faire un petit peu de travail, de création de contenu. Will, il va publier sa vidéo. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de la misère avec le masculin et le féminin. Vidéo, mais vidéo, c'est bien au féminin. Puis, comme je disais tantôt, ben, on a notre souper avec la famille. Alors, c'est ça. On se tient au courant. Bon lundi matin, il est 11h04. Je suis en train de me préparer tranquillement pour aller au Pilates prénatal que je fais avec le studio Move. Dans le fond, je vais vous mettre le lien dans la description, mais j'en ai souvent parlé. J'en ai même parlé quand j'étais en entraînement postpartum, mais en entraînement aussi prénatal avec Clara. Dans ce temps-là, c'était la COVID, donc on faisait ça à distance. Mais là, je suis bien contente là, d'être de retour en classe avec d'autres mamans. Ce matin, j'en ai profité. Clara est à la garderie. J'ai fait le ménage à la maison, donc balayeuse, enlever les planchers, les salles de bain, etc. Puis faire du lavage également. Là, j'ai une brassée qui devrait terminer bientôt que je vais pouvoir accrocher avant de quitter. Donc là, je m'en allais me faire un smoothie avant de partir parce que comme c'est à midi, je mangerai pas avant mon retour. Fait que je me ferai un smoothie là, pour me tenir... pour me soutenir dans le fond pendant le cours. Là, je vais prendre le saphir des smoothies vives. C'est des smoothies que j'aime vraiment beaucoup parce que justement c'est tellement simple à faire, là, sont pré-proportionnés puis il y a des vraiment bons ingrédients. Il y a des ingrédients qui sont safe également pour la grossesse. J'en ai vraiment beaucoup à passer dans mon congélateur, mais je suis bien contente parce que je vais en avoir pour un petit bout de temps encore. C'est vraiment pratique aussi là, pour Clara, là, le matin, des fois rapidement lui donner un smoothie, je sais que ça la soutient bien parce que je dirais des fois le matin, elle a vraiment de la misère à comme, bien manger. Je sais pas pourquoi, dire qu'elle a pas faim, à moins qu'elle fasse une nuit complète. Comme là, ça fait deux nuits qu'elle nous fait vraiment des grosses nuits complètes sans boire de lait, rien. Puis elle se lève le matin et elle a très faim, donc je peux comprendre. Alors voilà, c'est tout. Je vais faire mon smoothie, puis on se revoit après mon cours.
à la maison. L'entraînement a super bien été. Là, j'ai terminé, c'est ça, vers 1h. Ils m'ont dit mes cheveux, on s'est comme brotté un peu à terre. Hein? Puis j'avais pas amené de collation. Fait que là, j'étais comme censée aller à l'épicerie directement après avant d'aller chercher Clara. Et honnêtement, je me sentais comme vraiment faible. J'ai comme vraiment pas arrêté ce matin. Puis j'ai comme pas pris le temps. J'ai pris le smoothie, mais j'ai pas pris le temps de prendre une vraie bonne collation après ça. Juste pour être sûre d'avoir les forces. Là. Normalement, je me mets une collation après l'entraînement, mais là, j'avais oublié. Fait que l'histoire de ma vie, j'oublie souvent des trucs. Mais c'est ça, tu veux pas la grossesse, we never know. Sometimes, c'est une journée que ton corps est genre, not today, mama. Puis ça fait partie de ces journées-là. Et c'est ça, j'avais pas beaucoup de choses à acheter à l'épicerie, mais juste quelques affaires. Alors, soit je vais y aller tantôt ou Will va y aller là, après travailler. Rapidement, avant d'aller chercher Clara, je voulais prendre le temps de vous montrer sa nouvelle chambre de grande fille qu'on a fait... dans les dernières semaines. Les filles partageront pas la même chambre. Enfin, ils vont avoir chacune leur chambre qu'on a fait repeinturer en blanc. Parce que initialement, la chambre à Clara, j'avais fait peinturer en rose. C'était pas laid. Par contre, c'est une pièce qui est quand même sombre. Elle a seulement une fenêtre. Puis, je sais pas, j'étais vraiment pas satisfaite du résultat que ça donnait. Considérant qu'au condo, quand j'avais acheté tous les meubles, puis j'avais comme décoré la chambre, ben la chambre était comme beige pâle, presque blanche. Fait que ça comme avait un gros contraste avec le rose, je trouvais. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. Pour ceux et celles qui avaient jamais vu le house tour, c'est super sombre là aujourd'hui, il fait pas très beau. Et ça c'est le premier palier où on a notre chambre à nous. Puis dans le fond, la chambre aux filles, on montre un autre palier. Puis ça va être la chambre à bébé 2. Donc elle est plus petite que celle à Clara, mais c'est vraiment une bonne grandeur là, pour une chambre d'enfant. Vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à récolter quelques affaires. Il va rester à vider le garde-robe ici avec beaucoup de choses là, à Will. Beaucoup de choses par terre, là, c'est un peu le bordel pour ranger là, éventuellement le linge à bébé. Et puis on a ici la chambre à Clara. Donc, on a le premier mur comme ceci avec les petits pois de la station D. Son meuble, il vient de chez IKEA avec les petites poignées. Ça, souvent, les gens me le demandent. C'était une trouvaille que j'avais faite chez HomeSense. Puis, on avait vraiment juste assez pour la commode à Clara. Donc, ça, cette petite poignée-là, assez populaire. C'est le Holly et Ella, je suis plus trop certaine, de chez Charlotte et Charlie. Puis, on a acheté des petits supports comme ça ici chez IKEA pour mettre ses petits livres. Ben, on a vraiment plus que ça, mais eux, je trouvais que c'était comme les plus beaux. Avec une petite chaise de trouvaille chez HomeSense. Bon, poubelle à couche, voilà. Puis, le miroir, c'était une trouvaille Bouclair. Là, ben, j'ai pas de rideau parce que c'est ça, quand je vous dis là, que c'est ce qui fait une fenêtre comme ça, ça fait en sorte que la chambre est comme moins éclairée. J'aimerais vraiment ça, comme fermer ça ici, puis mettre comme un. Au même niveau que, mettons, la moulure avec des coussins. Ça ferait comme un petit coin, là, sur le bord de la fenêtre. Je trouverais ça vraiment cute. Puis, ça, c'est un petit tipi qui vient de chez Simons, avec lequel, pour l'instant, j'ai mis comme une doudou avec plein de coussins. Bon, Clara, elle rentre souvent dedans, fait que là, il est comme pas droit, là. Mais bref, c'est super solide. Puis, je trouvais ça vraiment cute, là, pour lire une histoire le soir ou... Quand on va être un petit peu plus vieille. Là, le moniteur, il est pas accroché, là, mais on n'a pas vraiment besoin de l'avoir. Là, tant qu'on l'entend, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'autre alentour parce que naturellement, elle peut l'atteindre. Là. Avant, il y avait comme un là qui se pendait juste au-dessus là, pour... Je me souviens plus comment ça s'appelle là. Il y a également la chaise ici berçante qui vient de chez Agatha. Vraiment confortable. On demande souvent si c'est confortable. Puis honnêtement, oui, je l'aime beaucoup pour y avoir passé beaucoup de temps et pour y en passer encore parfois le soir quand on essaie d'endormir Clara. Le tapis, c'est Wayfair. Puis un petit coin comme ça ici, là, pour l'instant, bon, il y a bien des jouets puis tout, mais gars, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un bébé. Fait qu'on peut pas tout cacher. Le reste de ses livres, ce dans le fond, c'est ici de chez IKEA. Puis, ceci, c'est Bird Poster. Je trouvais ça vraiment cute. Fait que c'est le C pour Clara. Avec son scale de quand elle est née. Puis, il y a des crochets ici qui viennent de chez H&M. Quand même pratique. Ça, c'est son garde-robe. Bon, il reste encore à nettoyer à quelques endroits, mais vraiment, vraiment très logeable. Et on est chanceux ici, là, pour ce qui est du rangement. On est vraiment, là, vraiment choyé. Alors, j'accroche quelques morceaux aussi dans son garde-robe.
Comme ça, il reste beau et pas froissé. C'est ce qu'il y en est pour sa petite chambre, là. J'étais super contente. C'est pas mal plus éclairé qu'avant. Puis Clara s'y plaît bien. Puis c'est vraiment une chambre qui va être également évolutive. Au fur et à mesure qu'elle va grandir, tu sais, c'est pas trop démodable, là, si je peux dire. Alors, c'est pas mal ça, là. Il est pas mal l'heure que j'aille chercher Clara à la garderie. Donc, je vais quitter à l'instant. Puis c'est également de cette façon-là que je vais terminer la vidéo aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye!